Arnaud. Oh. C'est pas genre tu me vois pas gros, je vais te baiser. Je vais te chercher l'argent, je te jure, il est chez mon cousin, je te le ramène tout à l'heure. Et arrête-toi gros, arrête-toi. Ça fait 2 mois que tu me dis ça, c'est comment tu crois moi je vais tapiner pour toi quoi? C'est quoi le délire là? Aujourd'hui là tu vas me rendre tout ce que tu me dois, t'as capté? Sinon je vais venir, je vais t'enculer, je serai pas tout seul. À la fin de la journée, s'il n'y a pas mes thunes gros, on t'emmène à l'hosto, on va te baiser ta race, t'as compris? Ça va Gandalf? J'ai vu ta magie là, c'est lourd ce que tu fais. Merci, c'est juste des petits trucs comme ça. Non franchement c'est pas mal, c'est pas la première fois que je te vois dans le quartier, à chaque fois tu fais des trucs impressionnants. Je peux te parler 2 minutes, tu t'appelles comment? Momo, mais là je peux pas, je dois faire plein de trucs. Vas-y 2 minutes, c'est bon. On va se poser au calme hein. Fais-moi un tour pour voir. Tu trouves pas ça? C'est Bernard, c'est un ami. Et je te jure, toi là, en tout cas là, t'as un vrai talent. Mais juste un truc. Tu vois toute ton histoire là, ça te rapporte un peu de bif? Non, la magie c'est pas pour l'argent, hein. Sinon c'est magie noire. Mais Momo, c'est normal de se faire payer pour son talent. Hey, regarde pas ma sacoche. Je regarde pas ta sacoche. Écoute, ça te dirait pas de monter avec moi sur la Capita cet après-midi? Vers Barbès, t'as des mecs qui jouent au Bonto. Et je te jure, mec, avec ton talent et ta discipline, on pourrait se faire un paquet de thunes. Ça fait peur, ton histoire, là. Qu'est-ce qui t'arrive au dîner? Rien, c'est quelqu'un que j'ai pas envie de voir. Tu lui dois combien? Rien du tout, de quoi tu parles. C'est quoi, vas-y, laisse tomber. Mec, et ton lapin, tu le laisses là, là? Il va se barrer, hein. Bernard, je sais pas qu'est-ce qu'il a prévu aujourd'hui, hein. Vas-y, passe une bonne journée, frérot. Tu connais Sarah? Quoi? Sarah, je t'ai vu lui parler après notre rendez-vous. Tu la connais? Ouais, je la connais. Je l'aime. Vas-y, descends mon véhicule là, c'est bon. Non. Comment tu t'appelles? Arnaud. Faut que tu m'aides, Arnaud. Ça fait 10 ans que Sarah et moi on vit dans le même quartier. On sourit quand on se croise. J'ai jamais osé l'aborder. Là, je crois qu'il faut que ça change. Bah, commence par être moins chelou, là, et descends maintenant, là. C'est bon. Non, c'est sûr, il y a un truc entre elle et moi. Tu veux de l'argent? Avec de l'argent, je pourrais l'emmener manger à l'Elysée, tu vois. Ah, ça, c'est sûr, elle aimerait bien. On est quel jour? Samedi. J'ai une idée. Dis-moi, tu sais changer des trucs par d'autres trucs, toi? Ouais, ça, je peux faire. Bon. On se fait un petit coup tranquille, toi et moi, et après ça, je te la présente. Tu pourras la ramener à l'Elysée, là, dans des bails d'Omar. C'est carré? Carré. Attends. Si on rentre tard, faut que j'aille donner les clés à Bernard. Putain, pourquoi il n'y a qu'un côté là? Si c'est tout blanc derrière, c'est cramé, non? Qu'est-ce qu'elle aime, Sarah? Je sais pas, plein de trucs. Les lapins. Mais non. Pourquoi tu regardes ma sacoche, toi? Eh chef, viens. Dis-moi, comment tu fais pour imprimer des deux côtés? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça, toi, espèce de cassos? Allez, dégage! C'est toi, dégage! Je crois que pour l'Elysée, il faudrait que je m'achète une belle chemise en lin blanche. Mon père il disait que ça faisait mi-classe, mi-agricole. Ça s'est complètement grillé. Non, ça va. Hein. T'es sûr? Bah ouais. Bon alors voilà, t'en caches un peu dans tes manches ou ailleurs, je sais pas comment tu fais. En principe, je le mets dans mon cul. Je rigole, hein. Je peux pas te dire tous mes secrets. Hein. Bon, quand je te fais signe et qu'il y a assez de cash par terre, tu t'organises avec les faux billets et hop, tu les remplaces. Okay. On fera genre t'as pas fait exprès. T'es sûr que ça va passer? Ouais, c'est carré. T'es bon? Carré. Et vraiment, fais pas le con. Si jamais nous crame, ça peut être du sale. Du très très sale. Wesh les mecs, ça va ou quoi? Tu me remets? Ça joue en ce moment? Ça joue toujours. Mais t'es qui, toi? Et ton pote, c'est qui, là? Bah, c'est mon poteau, Jean-Louis. David. Ouais, Jean-Louis David, comme le chanteur. Y'a moyen de faire une partie, il a envie de dépenser sa paye, comme Jaja. Y'a toujours moyen, mon gars. Rentrez. Wesh les mecs. C'est qui? Bah, je suis avec mon poteau, là, Jean-Louis, là. On peut poser, hein. T'as des thunes? Vas-y, c'est 50, madame. C'est 50, tout de suite. C'est bon, c'est bon, c'est carré. C'est carré. Putain, t'es affreux. Bingo, les gars. Vas-y, donne les billets. À 7 ou à 11 pour Bibi. À 7 ou à 11 pour Bibi. Allez. L'arrache pas, elle connaît pas les règles, elle connaît pas les règles. Qu'est-ce qu'il fait, mon gars? Tu connais pas les règles, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, là, vas-y, on a super chaud, t'as chaud, non? Vas-y, on a super chaud. Vas-y, de toute façon, je vous prends des clopes. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez 6 paquets de clopes. 6 paquets de clopes, les gars, ok? Et un ventilateur. Ouais, un ventilateur. Ouais, un ventilateur. Hey, les gars, c'est des faux billets. Je vais chercher des clopes, Il y a un ventilo. Tu veux un paquet? Vas-y. On revient tout de suite, hein. On va retirer. Putain, elles sont où les clés, là? Hein? Putain, c'est con, quoi, ma pote? C'est ma pote. Hé, on sait que tu viens des mordables. Je vais pas t'attraper, le fils de gâche. Putain, c'est pas possible, ça. J'ai jamais joué là-bas, d'où ils me connaissent, ça. Et toi, là, quand on sort de la voiture, là, je te jure, je vais te niquer ma Jax. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai imprimé les billets que d'un côté. C'est toi d'un côté là, pourquoi tu racontes ta vie là? Tu m'as dit que c'était bon, non? On a combien là? On est bien là? Tu vas où? On peut pas rentrer au quartier. Je sais pas, on va se poser au calme et on va réfléchir. Vas-y, te dégage avec ton capricone là! Putain, ce sont là, ils me stressent là en plus là! J'aime bien encore. Combien ça coûte un souper à l'Elysée? Mais dégage! Moi je vais pisser. bien. Oh. Je vais le dire à Arnaud, ça. Putain, mais c'était quoi tout ce boucan? Tu t'es chié dessus ou quoi? N'importe quoi, il y a un truc qui s'est effondré là-bas, je trouvais ça. Une flûte? Mais c'est génial ça, Momo. Plus la peine de s'inquiéter maintenant, hein? On fait quoi? On organise un concert au Stade de France? Elle est bien, franchement. Mon père, il avait une comme ça. Toi, tu t'en fous bien des flûtes, Arnaud, hein, j'imagine. Arnaud. 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 Tu fais quoi, Arnaud? Arnaud? Putain, Arnaud! Oh! Putain. Arnaud, bouge pas, je vais chercher de l'aide, ok? Oh. Oh. Madame. Oh, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? Jean-Louis David. Ah oui? T'inquiète pas, on va le retrouver, ton copain. Si ça se trouve, il a juste pris un coup de chaud. Hein. Avec la canicule, le réchauffement climatique et tout le tralala. Si ça se trouve, c'est un truc du gouvernement. Cherche pas. Hein. Mais c'est quoi, là? Tu fais de la flûte? Allez, je noue un morceau, ça va te détendre. Vous faites quoi, madame? Madame? Oh putain, c'est mon ami, c'est Arnaud. Arnaud, j'ai cru que t'étais mort, putain! Putain, moi j'ai cru que tu m'avais lâché, mais t'étais où? Et arrête de lui coller, wesh! Tu me kiffes ou quoi? Et c'est qui la selle? C'est la flûte. J'ai joué 2 notes, t'es tombé comme un piquet. Elle, c'est la même. Mais tu racontes de la merde, la copère. Regarde, je te jure. Mais c'est quelle marabouterie, ça? Viens, je te montre. Tu vois? Il y a un truc de ouf. Regarde. T'aimes bien les sneakers, toi, hein? Il y en a 6. Ça fait 6. Regarde pas ma sacoche. Je regarde pas ta sacoche. Tu fais quoi, là? Arrête, arrête! Putain, pourquoi ça marche pas, là? Tiens, essaye! C'est un truc de ouf! Qu'est-ce que vous faites là? Vous aimez les sneakers, vous, hein? Putain, c'est un vrai magicien! On va être multimillionnaire, multimilliardaire, multi-tout! Mec, regarde! Putain, la caméra! Tu sais comment ça marche, toi? Vas-y, on va le faire à l'ancienne. Pêche, Michael. Alors, les jeunes. Il y a un problème, Michael? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, on nous a fait une petite frayeur? Il n'y a plus rien dans ma caisse. Je crois savoir d'où il vient le problème. Toi, tu bouges pas, toi. Je rentre au quartier, je rembourse mon gars pour être tranquille. Après, toi et moi, on est les rois du monde. Regarde ce qu'on peut faire. Bientôt sur un yacht, gros. Et toi, avec la petite Sarah à l'Elysée, c'est sûr. T'aimes bien ce son, non? Déjà vu. Tiens ça. J'ai même mis un supplément pour retard ma gueule. Vas-y, je devrais même pas le prendre ton bivro, t'es claqué. Là, il y a des mecs de Nanterre, là, ils sont garés en bas de chez toi. Tu vas te faire soulever vénère. C'est lui, ton pote, là? Parce qu'il paraît que vous avez douillé tout le monde, gros. Et j'ai appris pour ta daronne, hein. Je suis désolé. Hein. Quoi, ma daronne? Comment ça, quoi? T'étais où aujourd'hui? Il fait quoi, le ménestrel, avec sa flûte, là? T'inquiète, c'est mon gars. On est bon? Ah, moi, je suis bon. Toi, t'es dans la merde, gros. Je ne peux même plus rentrer chez moi maintenant. Tu veux de la fumée ou bien le truc? Avec la flûte? Non. Laisse tomber. Elle a quoi ta mère? Rien. Juste elle est pas bien. Elle est morte? Et on peut aller où on veut maintenant, Momo. Dis-moi, tu voudrais aller où? Je pars en Meurthe-et-Moselle, il y a déjà les coins. Je t'ai dit, on peut aller où on veut maintenant, Momo. Je sais pas, t'as des Fidji, Thaïlande, Hawaï. Puis Sarah, demain matin, je lui propose de venir avec nous. Si elle veut pas. Tu crois que vraiment les gens veulent rester ici? Personne veut de cette vie-là. Et même si tu ressemblais à Jacques Villeray, viendrait. On est ensemble maintenant, mon bon. Tu veux prendre des trucs chez toi? Bernard? Non, en vrai, Bernard, il a pas besoin de moi. C'est plutôt le contraire. Il est bien ici, lui. Je vais prendre juste des habits, un peu classe. On fait ça alors. On passe chez toi, prendre tes affaires. Demain matin, on récupère Sarah et on se casse tous les trois. Ça te va? Arnaud. Arnaud. Je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi tu veux que personne ne regarde jamais ta sacoche? C'est ma mère qui me l'a offerte. Et c'est une fausse. C'est complètement grillé. Et moi j'ai une question. Pourquoi on t'appelle Momo? T'as pas une tête à t'appeler Momo, toi? Bah si. Momo comme Maurice. Maurice Papagano, quoi. Maurice. C'est vrai que t'es classe, hein. Ça va ?